Des hommes et des femmes se tournent vers l'évangile ce soir. Ne vous tournez pas vers une atmosphère, vers une réunion bénie en disant Moston Dragalata réunion, arrêtons avec ces choses-là. Je vous en supplie, arrêtons de se régaler dans une réunion, arrêtons avec ces choses-là. On est trop habitués, c'est avec la masse de réunion. Moston Dragalata réunion, arrêtons avec ça. À Montpellier, on dit Moston Dragalata, quelle bonne réunion, qu'on cante, arrêtons avec ça. Repends-toi. Repends-toi, voilà. Tu pourras dire Moston Dragalata réunion s'il y a une repentance ce soir. S'il n'y a pas de repentance, on ne se regarde pas dans une réunion. On se regarde quand des hommes et des femmes se tournent vers lui. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir de toucher ton cœur. C'est lui. C'est Jésus-Christ. Parlons de Jésus. Que l'homme, la femme se défasse. On parle souvent des hommes quand ils prêchent, qu'on pêche. Arrêtons avec ça. Et un ancien disait, il faudrait mettre un rideau. On met des titres. Mettons le titre de Jésus-Christ, c'est lui qui fait la réunion ce soir. Tu as besoin de Jésus. Et non pas d'une bonne réunion, non pas d'une atmosphère. Mais tu as besoin de Jésus, est-ce que tu le comprends ce soir? C'est ça que tu as besoin. Et j'aimerais t'encourager ce soir, avant de rentrer dans le message. Un jour, un docteur qui est connu en Amérique, il a volé, il a pris l'avion, il est parti dans les airs pour aller dans un séminaire, un congrès. Et là, il y avait tout le docteur qui se réunissait, des hommes importants, des hommes d'affaires. L'homme, ce docteur, a commencé à voler dans les airs, il volait. L'histoire nous dit qu'il volait. Et l'histoire nous dit qu'il y avait un vent, il y avait les orages, il y avait la pluie qui était là. Et l'avion avait du mal à voler. L'avion avait du mal à voler, donc il a été obligé d'atterrir. L'avion l'a atterri, il a atterri. Et quand l'avion a atterri, le docteur lui dit, je vais arriver en retard. Il a tout fait pour louer une voiture. Il loue une voiture, il part. Et quand il part dans ces rues-là, bien sûr la pluie est là, les orages sont là, les cieux sont à fond, il lui, il voit rien, la pluie est là, la nuit est là, il voit rien. Et ce docteur important et connu, il dit, il va falloir que je m'arrête quelques heures, en attendant que la pluie s'arrête. Alors l'histoire qu'il va s'arrêter, il voit une maison avec la lumière allumée, et il va toquer la maison. Et là, c'est une jeune femme qui ouvre la porte. Et le docteur, il dit, madame, avez-vous la gentillesse de me faire rentrer chez vous parce qu'il pleut? Et après, promis, je rentrerai chez moi. Et cette chrétienne, elle dit, mais rentrez, mon brave monsieur, rentrez chez moi. Et quand ce docteur rentre dans la maison, cette chrétienne va préparer la table. Il va mettre à manger, il va mettre à boisson, hein, tout ce qu'il faut. La table est préparée à manger, tout ce qu'il faut. Et le docteur va pour manger. Et cette chrétienne, elle dit, non, monsieur, attendez, ne mangez pas, surtout pas, ne mangez pas. Nous allons, premièrement, nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et le docteur dit, mais vous croyez encore un Dieu qui est mort? Vous priez encore un Dieu? Et cette femme dit, mais bien sûr, monsieur, je suis une chrétienne, moi, je veux prier le Seigneur. Et cette femme prie le Seigneur. Et le docteur la regarde avec la bouche ouverte, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors la femme et le docteur la regardent. Et cette femme prie le Seigneur. Et remercie Dieu de tout son cœur. Et au moment donné, quand il prie, le docteur regarde ce coin-là, il y avait un enfant de 3 ans qui dormait et qui était là. Le docteur recolline, sait que l'enfant est malade. Et il dit, madame, c'est votre fils? Il dit, oui, c'est mon fils. Il a 3 ans et il est condamné par la médecine. Il a un cancer généralisé. Alors écoutez, il dit la chrétienne, en Amérique, il y a un docteur qui s'appelle John Harrison. Il est vachement connu. J'ai essayé de prendre rendez-vous avec lui, monsieur. C'est impossible, monsieur. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé par Internet. C'est impossible, monsieur. Alors je me suis même déplacé, monsieur. Parce que ce John Harrison, il est connu. Et on ne peut pas prendre rendez-vous avec lui. Mais cette chrétienne, elle dit, monsieur, moi, je suis une chrétienne. Parce que la parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu dit ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Alors il dit, monsieur, moi je crois en la puissance de Dieu et j'ai prié Dieu afin que Dieu m'envoie ce docteur dans ma maison. Docteur la regarde, il dit, madame, votre John Harrison, votre docteur, c'est moi, c'est moi-même. Alors la chrétienne la regarde et dit, monsieur, Dieu a exaucé ma prière, Dieu a écouté ma prière et j'aimerais te dire à toi, jeune homme, jeune fille, homme, femme, dans ce quartier, vous que vous êtes
en train d'écouter l'évangile, la parole n'est pas en vain. Si je me suis déplacé et si les frères ont organisé cette mission, ce n'est pas non plus en vain. Si ce soir tu es là, assis, en train d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas non plus en vain. C'est parce qu'il y a un moyen pour toi. Et moyen non pas de réussir dans ta vie, non, mais un moyen de te sortir de ton état, un état de péché. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la misère, ce qui fait la tristesse de l'homme, de la femme, c'est le péché. Le péché est venu jusqu'aux racines, même dans les gitans, même dans le quartier des Vénus. Ce que l'on disait autrefois, ceci, ça ne rentrera jamais dans le quartier. On est trop gitan pour que ça rentre. Mais aujourd'hui, le péché est rentré. C'est une bête féroce qui vient ravager, qui vient détruire toute puissance et puissance diabolique. Ça, c'est les griffes du diable qui vient proposer le mal. Et aujourd'hui, l'homme et la femme a consommé le péché. Le monde entier a consommé le péché. Et aucun de nous, on est capable de dire, moi, je n'ai jamais péché. Et moi, le premier qui vous prêche, et les serviteurs qui sont là, nous avons péché. Et on était privés de la grâce de Dieu. Mais un jour, je bénis Dieu. Que Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé le seul fils qu'il avait, qui s'appelle Christ, Jésus-Christ mort, mais qu'il est ressuscité. Et tout cela, c'est pour toi, mon ami. Alors, n'écoute pas le voisin, n'écoute pas la voisine, n'écoute pas ta femme, n'écoute pas non plus ton mari, mais écoute la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Alors là, tu es là, assise, peut-être au fond, peut-être dans une voiture, peut-être dans une maison, mais tu es en train d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour toi. La parole de Dieu est pour toi, oui, parce que Dieu est capable même de t'appeler par ton nom. Dieu est capable même de révéler ce qui est caché dans ton corps. Même ce que ta femme ne sait pas, même ce que ton mari ne sait pas, même ce que tes parents ne savent pas. L'histoire que tu es en train de vivre tout seul, toute seule, Dieu, il sait tout. Il n'est pas là pour juger, mais il est là pour te dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le repos ne se trouve pas sur une chaise. Le repos ne se trouve pas dans un mariage, quoi qu'il y ait un mariage tout à l'heure. Non plus, mais le repos se trouve en Christ. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens disent fort amen pour la puissance de l'évangile. Que Dieu soit béni. Ce soir, il y a un homme, il y a une femme qui va passer des ténèbres à la lumière. Vous savez pour quelle raison? Parce que l'évangile est proclamé. L'évangile est prêché. Un jour, un jeune homme, il s'appelait Isaac. Il dit à son père, papa, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Quelle question! Parce que Dieu, au moment donné, dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Donne-moi-le, Abraham. Il aurait pu demander Ismaël. Mais comme il savait qu'il aimait un peu plus Isaac, alors Dieu a dit, donne-moi ton fils Isaac. Alors, imaginez-vous un petit peu l'histoire, quand Abraham allait dû se coucher toute la nuit, sûrement qu'il n'a pas dormi, sûrement qu'il faisait des 100 pas dans sa tente, sûrement qu'il devait regarder son fils en train de dormir, et en disant, c'est fini, demain c'est moi-même qui va sacrifier mon fils Isaac, celui que j'aime, celui que Dieu m'a donné, et je vais être obligé, par amour pour Dieu, de donner le seul fils que j'ai. Alors Isaac, sans aucune conscience, sans rien savoir, la Bible dit que lui peut-être dormait. Il dormait. Il n'était pas conscient de tout ça. Seul Abraham savait ça. Alors, le matin vient, il va réveiller son fils. Isaac, réveille-toi. Isaac, prépare-toi. Isaac, prépare tout ce qu'il faut. On va sacrifier l'animal à la montagne de Morija. Alors Isaac se lève, il se prépare sans savoir ce qui va se passer. Et Abraham devait regarder son fils, sûrement la Bible n'en parle pas. Il devait regarder son fils en disant, c'est fini, c'est fini, je perds mon fils, c'est fini. Mais comme il aimait Dieu, comme il avait l'amour pour Dieu, il était prêt à donner son fils. Et ça, c'est l'amour du Père, qu'il a donné son fils, Jésus, sur le poids d'une croix, à mourir pour l'humanité. Il n'a pas regardé à l'amour qu'il avait pour lui, mais l'amour et la puissance qu'il avait pour toi, pécheur, homme, femme, l'amour qu'il a pour chacun de nous, il a donné. Il n'a pas prêté, mais il a donné. C'est la Bible qui le dit. Il a donné. Et tout ça, c'est pour toi.
pour ton alcool, moi de pardon pour la robe, pour des sorties, pour des amusements, pour des fêtes païennes, où le péché t'enveloppe si facilement, où tu prieras, alors tu te dis, mais moi, je ne pêche pas, moi, je ne vis pas dans le péché, moi, je ferai de mal, je suis une femme de maison, je suis un homme de maison, je travaille, mais quel mal je fais? Le mal, c'est que tu ne te repens pas. Assassin, que nous avons un grand Dieu, qui est mort sur le poids d'une croix, et tu ne demandes pas pardon à Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour de demander pardon pour ta vie. Alléluia et Alléluia pour l'Évangile. Alléluia pour l'Évangile. Alors il prépare son fils. On y va. Il prend des ânes avec lui. Il prend des serviteurs. Il dit, même si vous m'avez. Et ils marchent. Et ils y vont. Ils vont vers une montagne qui était maudite pour Abraham sur Roman, la montagne de Morijan. Bam, ça va marcher, marche avec des ânes, avec des serviteurs et son fils. La promesse était là. La Bible dit qu'Isaac portait le poids. Isaac portait le poids. Faut savoir que Jésus a porté la croix. Et il partait en direction de Golgotha. Lieu du crâne. Tout ça, ça a été pour toi. En direction de Morija. Et là, quand il est en direction de Morija, et au moment donné, il s'arrête et dit, regardez où qui ? Restez ici. Moi et le petit, nous allons adorer. Scoutomet. Il dit où ? Et le vitrine. Nous allons adorer, mais on reviendra. Est-ce qu'Abraham il ment ? Parce que Dieu avait dit, donne-moi ton fils. Et Abraham dit, non, qu'est-ce qui n'est ? Mais le vitrine, mon oeil. Est-ce qu'il ment ? Non. Il ne ment pas, mais Abraham avait la foi que Dieu ne le laisserait pas ici. Amen. Abraham avait cette foi dans son cœur. Alors, toi qui es là ce soir, et je sens un mot puissant pour ta vie. Amen. Un mot puissant pour ta vie. Amen. Vous savez, je ne suis pas un prophète, mais Dieu m'a parlé dans mon cœur, pendant ces chants, pendant les chants, pendant les témoignages, où l'Esprit est venu dans mon cœur, et il m'a dit, tu diras à la cité Belluche, tu diras à cet homme, tu diras à cette femme qui écoute la parole de Dieu, s'il ne me reçoit pas, s'il ne m'accepte pas, s'il ne se repent pas, une ruine va s'abattre. Une ruine va s'abattre. Oh, je t'en supplie au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, que l'homme, que la femme qui est en train d'écouter l'Évangile, reçoit Jésus. Je t'en supplie, accepte le Maître, accepte Jésus comme Maître et Sauveur, parce que lui seul est la vraie vie. Et la paix se trouve en Christ. Alléluia et Alléluia. Au moment donné, il prend le couteau. Et il va pour sacrifier son fils. Quelle belle histoire. Et là, c'était son fils qui est attaché. C'est Isaac. Et il prend le couteau, il va pour le faire. Il va pour égorger son fils. Quelle histoire. Quelle affaire. Comment on fait? Vous faites? En matant l'œil. En matant mon œil. Non, Seigneur, non. Impossible. C'est impossible. Mais par amour, il a fait. Ça, c'est un acte d'amour. Et il prend le couteau. Et il va pour égorger son fils. Et là, une voix du ciel suffit d'entendre. C'est la voix du ciel. Il dit, Abraham, ne porte pas la main sur le fils. Ne pose pas la main sur lui. Je bénis Dieu. Parce que le miracle se produit. Et là, attaché, là, dans les puissants, on voit un bélier. Pas un bouc, pas une brebis, un bélier. Que signifie ce bélier? Que signifie ce bélier? Nous sommes pour l'attention, pourquoi? Parce qu'un bélier, c'est comme une brebis. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que le bélier a des cornes. La brebis signifie la faiblesse. Jésus divin, ok? Mais le bélier signifie la puissance, brebis, mais puissance signifie Jésus, homme, mais Dieu. C'est le bélier. Il est attaché. Et quand tu le regardes, il le voit. Mais il le voit, c'est lui qui va t'immoler, non pas le bébé, non pas l'enfant, pardon, mais c'est lui. Alors, sans aller plus loin, le message
se termine avec, bien sûr, un message de croix et de repentance. Le message se termine avec une repentance pour ta vie, pour ta vie. Je t'en supplie, un jour, on prêchait la parole de Dieu dans une cité sabbat de Tzilti. Et passava la parole de Dieu, il a dit, repetez-la, comprenez-la, devant le pardon de Christ, qu'elle se passe comme ça, Dieu se passe du péché, mais tourne le regard cap à Christ. Et des hommes, des femmes comme vous, écoutez la parole. Alors, qui t'a écouté, mais ma garde, la petite parole de Dieu. C'est trop gitan, ça. Je dis souvent à l'église où je suis responsable, c'est trop gitan, ça. Ma femme est à la réunion, me sont regardés. La paix des guines. Trop gitan, c'est la paix des guines. Parce que t'as froid, c'est tout. Parce que t'as froid. Une guignon d'évaluation ne fait pas sortir la chair de poule. Une réunion d'évaluation te fait réfléchir dans ton état où tu es pécheur et que tu as besoin de te repentir et de venir vers Dieu, de venir vers la croix, parce que la solution se trouve à la croix et non dans une religion et non dans un local. La solution se trouve en Christ. Alléluia. Il faut la repentance. Je disais vraiment dans une prédication, une fois, on s'est disputé, j'avais 12 ans, 13 ans, Tony. Et tu vois que je suis qu'est-ce que nous faisons? On s'est disputé, moi et lui. Et on s'est battu. Ça va, Maria? T'es jeune? Mais 12, 13 ans, je ne me rappelle pas. On s'était battu. Et quand on s'était battu, j'avais fait du mal à lui. J'avais frappé. Et je ne voulais pas faire ça. Mais c'était plus fort que moi. La bagarre m'a pris. Et on s'est battu. J'ai fait du mal. Et je ne voulais pas faire du mal. Alors, on ne se parlait pas pendant un jour, deux jours, trois jours. Mais il me manquait. Sa voix, il me manquait. Je voulais être avec lui à tout prix. Deux fois, on était dans la cité, je sais, le monde. On était ensemble. Alors, lui, il était là avec ses cousins, avec ses copains, moi aussi. Je voulais être avec lui à tout prix. Mais l'orgueil m'a tué. L'orgueil m'empêchait d'aller vers lui. Mais je voulais être avec lui à tout prix. J'aurais voulu le prendre dans les bras, le serrer, demander pardon. Mais l'orgueil était là. Je voulais demander pardon, mais je ne pouvais pas du tout. Comme toi, ce soir, tu es là, tu voudrais de Jésus. Tu voudrais te lever, mais l'orgueil est là. Et tu ne peux pas, et tu dis, qu'est-ce que tu m'as pensé? Qu'est-ce qu'il a? Et un jour, je me suis approché de lui, on voulait se parler, mais on faisait une chose à Montpellier. Je ne sais pas, ça fait pénible, vous le faites, vous. Après, à Montpellier, on faisait comme ça. Quand tu es jeune, on voulait se réconcilier. Ça ne marchait pas, des fois, tout ce qu'on parlait. Allez, on se parle, ça ne marche pas. Il fallait faire une chose. Et il me dit, Caprion, il me dit, Abraham, t'es gay. C'est rien, c'est enfantin, ça. Et il me dit, pareil, avant. Et il me dit, à toutes les petites copines, t'es gay. Et pas m'ester, c'est que je ne demande, pas m'ester, c'est pour la. Non, non. T'as que pégis. Est-ce qu'il tourne, Jean? Et il parle, t'es. Et quand il y avait ce symbole là de frapper, moi, lui, on se prenait par le cou. Et tout est oublié. Ça y est, que fait Francisco? C'est même, c'est pour l'un, la stimali, comme tu veux, ça y est, tout est oublié. Parce qu'il y avait une réconciliation. Sans ça, ça ne pouvait pas marcher. Sans ça, ça ne marchait pas. Il fallait taper, il fallait taper, il fallait taper, c'est comme ça. Pas autrement. Pour venir au ciel, il faut une repentance. Pour entrer dans le ciel. Il faut taper, mais quoi? Parce que lui, il a déjà fait le bord de la croix. Maintenant, c'est à toi de taper. C'est à toi de te repentir. C'est à toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme maître et sauveur. Alléluia. Il ne change jamais. Il est fidèle en tout. À Montpellier, il y a un garçon. Il était malade du cœur. C'était un étudiant. Il s'appelle Lélé. Et lundi, il est passé par la table d'opération. On a arrêté son cœur. Pour l'opérer. Écoutez bien. Mais avant ça, il a demandé non seulement lui, il a demandé y compris pour lui. Il est venu devant. Et avec les anciens, le président, tout président Marel, comité espagnol, mon père, et il m'a appelé à moi. Viens. Alors on a été prié pour lui. Et on priait pour lui. On a prié au nom de Jésus. Afin que Dieu guérisse. Écoutez bien. Dieu a posé ses mains, il est passé à la table d'opération. Il devait rester une semaine à l'hôpital.
Et on ne sait pas si avant de se transporter, le cœur s'arrêtait pendant 4 heures. Opération à le cœur arrêté. On ne savait pas si le cœur allait se transporter. Il s'est réveillé. Il m'a envoyé un texto avec une bouteille de rouge dans la main. Il m'a dit, ben, allez, c'est reparti, hein. Et now, tenez de quedar una semana a l'hospital, a Puyes, a fora, dins el quartier, en train de prêcher l'évangile. Això és la puissance de Christ et la puissance de l'amour de Dieu. A dit, il y a una grâce pour tu. A dit, il y a un espoir pour tu. Quand t'as la soeur, comme témoignava, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et nous voyons à ce Dieu merveilleux, à des hommes, et je vais arrêter aussi de faire du mal à ce cœur merveilleux, de le blesser, de le détruire avec notre attitude. Mais il faut demander pardon à Dieu de notre mal et venir auprès de lui, venir au Réunion, ne pas manquer des Réunions. Les gens se sont précipités dans tout l'été à Buenaventura, à Espagne. Ça va, il y a la Montpellier, ça va, il y a un tour, même pas à Buenaventura, qui a, à Cavandestu, qui a, tout en Champagne, à Buenaventura, qui a. Il n'y a pas merde, en septembre bientôt, tout le monde attend l'entrée scolaire, misto. Oui ou non? L'entrée scolaire, misto, 300 euros, 400 euros. Septembre, le monde qui va passer le monde chaud, c'est fini! L'été pas! L'hiver revient! Et qu'est-ce qu'il y a? Que. Mais, Seigneur, que Dieu m'aide, parce que mes mots sont courts pour convaincre ton cœur. J'aimerais tellement que tu te repentes. J'aimerais tellement qu'il te demande pardon à Dieu, parce que nous avons goûté à cette perle d'un grand prix. Il ne change jamais. Et j'aimerais terminer avec ça, pendant que les frères jouent une mélodie. Témoignage vivant et merveilleux. J'aimerais vous parler d'un jeune homme, d'un fils d'un pasteur, un œil d'un pasteur. Il faisait la honte de son père. On dit que père a voulu nous tout pareil. A on t'anava l'œil, a on t'oupara se l'impan t'oufiga. Ce petit, il mettait l'oreille pleine de pendants. Cet enfant, le fils de pasteur là, souvent, il faisait des teintures de toutes les couleurs, blanc, toutes les couleurs. Quand il rentrait dans la cité, le fils de ce pasteur, les gens disaient, mais c'est qui? Il est là. Ce fils de pasteur, c'était un dealer, il vendait de la cocaïne dans la cité. Et les gens venaient voir, à ce jeune, il dit, ouais, ton père c'est un pasteur, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Et lui, il disait avec une fierté, et il disait, lui, et moi, c'est moi. Son père ne savait quoi faire, il était blessé. Sa mère pleurait en sanglots. Il savait où se mettre. Je ne sais pas ce soir, si un papa, une maman, qu'il est en train de souffrir à cause de ton fils. Je ne sais pas. Écoute bien ce témoignage. Et lui, ce fils, se droguait. Et ce père ne savait où se mettre. Alors, le genou, il a décidé, le père, de tourner le regard vers le ciel. J'ai aucune capacité. Mais toi, oui, Seigneur. Regarde mon fils. Et il prie par la drogue. C'est un dealer. Ma femme le gogne, il me prêche, ma femme le gogne. Toque sur le corps. Sa mère, c'est une femme de prière. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Son fils s'est converti. Et se repentit. À la première réunion, une réunion de prière de Tony. Une réunion de prière, alors une réunion de prière, et 8 ans dans un ancien paragraphe. Voilà qu'on prend au moins. Pardon, pardon, pardon. On lève en 8 ans de souparin, pour pas se convertir. Il a toujours pas pleuré, pleuré. Mais il remercie le ciel. Son fils se convertit, il s'est baptisé. 7-8 ans après, il est monté à GM aux écoles publiques. Et ce fils, il est en train de vous prêcher ce soir. C'est moi-même. Mon père ne savait quoi faire pour ma vie. Ou ma femme ne savait se tourner pour ma vie. J'étais un drogué, un dealer, un vendeur de cocaïne, un bagarreur. J'étais le premier dans toutes les affaires. J'étais une totale disputée. J'étais la honte de la cité.
mon oncle mort, ou que vous connaissez, il me cherchait de partout pour me frapper. Et moi j'entendais sa voix, t'as vu combien il a mangé de chiffres. Abraham, et moi je me cachais. Il me cherchait pour me frapper. Qu'est-ce que t'as fait? Un jour mon père est sorti, il me faisait la morale. Abraham, ouais, Abraham, ouais, je sors le couteau. Il dit, papa, avant que ça se passe, t'as planté. Il croyait pas ça. Avant que ça se passe, t'as planté. Il avance, lui. Le sang, ma grand-mère qui assassine Abraham, à ce matin, Abraham. Il dit, tout souffle. Qu'est-ce que j'ai fait? On peut parler de ça. Vous savez où ça mène? On me rappelle comment ça serait maintenant. Il pleurait comme un enfant. Le péché m'avait détruit. Le péché m'avait cassé. Il pleurait. Alors je suis parti dans les champs. Et j'étais caché. Tout le monde me cherchait. Mes tas, mes cousins. Pour mon bonheur. Je prends le couteau. Il m'a dit, je veux me tuer. Et j'en ai le ciel. Il dit, Seigneur, il n'y a que tout pour mon soudain. Amen. Il n'y a que tout. Amen. Il a fait de moi un homme de Dieu. Il a fait de moi un serviteur. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la puissance. Amen. Ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Gloria, 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 gloria. Alléluia. Et il m'a dit par moi, tu dis, arrête ce stéphio, arrête pas. Il serrait les yeux fort, il me regardait, il souriait, arrête pas. Je l'ai même frappé tout dans mes bras. Il m'a échoué. Il s'est même la sport, tu te prends, mais qu'est-ce que t'as dit? Regarde, je m'en ai de chant. Seigneur. Alors je l'amène à l'hôpital. Ils ont fait des escalaires, que derrière, mes espagnols. Et ne m'attrape pas, monsieur Gracias. Oui. Notre fils. Il a le cerveau rempli de sang. Et on voit une masse dans ce cerveau, une masse. Il a dit, passe mal, dit qu'il s'est menti, Seigneur. Il y avait mon oncle Marou, dit qu'on le caisse. Ils n'osaient même pas me parler. Ils ont fait des escalaires, des IRM, et ils se sont aperçus qu'il avait fait d'AVC. Alors, une petite dame de notre vie, il est scata. Et il ne marchait plus, il ne me reconnaissait plus, il ne me crédait pas, n'est-ce pas? Et on t'a dit, Seigneur. Pas, elle a dit, pas, qui sont, toi, qui sont pas. Et vous, ta main, Abraham. Abraham. Il t'a montré souvent qui est, Seigneur, ta main. Comme s'il ne connaissait pas. C'était mon cœur qui était touché. Vous voulez écouter, tout bien, hein, mais le Père de c'était le ciel qui s'est arrêté. Je m'endormais en pleurant. Je me levais, je pleurais. Je pensais même plus à manger, ni à boire. Les chrétiens venaient me voir. Abraham, ouais, mais tu peux, voilà. Je pensais même plus qu'il fallait faire ça. Je pensais pas de ça, il me semble. Avec tout le respect que je vous dois, j'avais perdu des kilos, des kilos, des kilos. Même je serrais ma ceinture à fond. Ça marchait pas. Je faisais moins 55 kilos, 56 kilos. Comme ça. Ma femme était pire que moi. Mon fils, on l'a opéré. Et l'opération, il avait les yeux enflés. L'odème, tenez le temps. Tenez 5 ans, on l'a eu. Et quand on est à l'hôpital, on se passe comme ça, on nous a tous. Nous ne pas voir rien. Et il y a un dans mon oeil. Et n'a pas énorme, monsieur. Il faut que vous partez, vous êtes au tard ici. Il y a des heures de visite. Mais madame, le petit a 5 ans. Non, non, vous sortez, madame, je ne sors pas. Vous sortez, appelez qui vous voulez, je ne sors pas. Combien de gens? Mais après, ça s'entient, par exemple, moi, ça passe. Alors j'allais que faire le petit, je suis tombé. Alors moi, il ne pouvait pas trouver le juge. Derrière le juge, il n'y a plus de main. Mais je suis tombé. Il ne dit pas. Il ne peut même pas parler parce qu'il n'y a plus de la bouche. Pas. Il dit que si ma chaîne qui se passe par là,
sur le centre de la paille, parce qu'à Paris, mais ils sont traités toute l'année, c'était pas vrai. Dès qu'ils sont pas hospitaliers, ils ne sont pas. Dès qu'ils se posent sur le tout, mais si ils se passent, parce que la paille, parce qu'à Paris, ils le font. Et il y a la Claudia, de tellement qu'on a appelé la paix des Christes avec lui. Mon fils est sorti de l'hôpital, il marchait plus. Il était handicapé. Il marchait avec un fauteuil roulant. Il y a des témoins ici. Il marchait plus. Avec un fauteuil roulant. J'aurais jamais pensé d'avoir un fauteuil roulant dans ma maison. Et le jour dans une cité, ça m'a senti. Je vois un chrétien. On va voir là. Qu'est-ce? Maintenant, il se fait tout. Il dit qu'on va se passer. Non, il s'est dit une fois quand il parlait. Non, mon frère. De l'ouvrir ton oeil. Il se trouve que tout est. Tchiklou. Comme je vous dis. Comme vous savez, quand il est. On pense que de la bouteille. Et le gros dit pas. Il lui dit ça, les gens, mais tu n'es pas. Pas. Mais le gros stéréo. Mais le pas, bien, bien. Écoutez-moi. Et où il va? On va y continuer. On va continuer. Mais le pas, bien. Et le boy, comme nous, il doit donner un langue à ma tchèque pour poter. A vous, il te pinte dans le boy. Est-ce que ça? Et je lance toutes les choses, hein? Et donc, mais, tu veux que faire? Et il est bon, petit, 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 petit. Oh, mais. Il y a qui fait de ce que c'est? Surtout que ton godon ne soit pas. Mais c'est jamais vous. Alléluia! A vous, votre amour, la devoir être tout. Alors le test de Christ, Seigneur, ce que l'homme disait, ton fils est fini, ça ne sortira pas, ça ne casera pas, c'est fini, ça casera. Je bénis Dieu, je bénis Dieu. Alors papa, maman, toi qui es là, et que le diable te dit sans cesse, ton fils, ta fille, et moi je veux te dire avec la parole, c'est qu'impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Alléluia. Quelqu'un soit béni. Il y a un espoir pour ta vie. Il y a un espoir pour ta vie. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce. Chante un cantique fraîche.